Contact établi entre les pods 042 et 153. Quelle est la situation, pod 042? Protocole non destiné à de simples conversations. Affirmatif. Toutefois, envoi nécessaire d'une transmission confidentielle au pod 153. Bien compris. Envoyez la transmission. Détection d'une erreur dans le réseau de transmission entre les pods 042 et 153. Hypothèse. Erreur due à la détérioration de l'environnement de transmission. Possible. Autre raison éventuelle. Sens du message incompréhensible. Clarification requise. Apparition d'un phénomène étrange suite aux échanges d'informations répétés entre les différents pods. Développement parmi les pods de sentiments protecteurs étonnamment forts vis-à-vis des unités 2B, 9S et A2. Question. Est-ce une manifestation de notre volonté? Réponse indéterminée. Définition de volonté imprécise. Volonté. Capacité des pods à faire preuve d'autodétermination. Envisageable. Mais de tels développements sont proscrits. Seul compte la réussite de la mission. Dans tous les cas, le devoir des unités de soutien tactique est l'accomplissement de la mission. Le devoir. Ah, terme utilisé par les androïdes et emprunté par le pod. Affirmatif. L'influence humaine pèse aussi bien sur les androïdes que sur les pods. Peut-être. Pod 153. Ne meurs pas. Concept de mort aberrant pour les unités de soutien tactique. Toutefois, manifestation d'inquiétude appréciée. Moi aussi, j'ai l'espoir que le pod 042 ne mourra pas. Oui. Body unit, check 完了. Memory unit, check 完了. Maintenance mode 終了. Yoruhaki-tai 9S, 起動. おはようございます。ナインエス。僕は敵大型ユニット内部での戦闘時にユニット構造物が崩落、落下したヨルハキ隊ナインエスはダメージを受けたため緊急サスペンドモードに移行、墜落地点付近は危険と判断し、現時点で搬送、現段階で全てのチェック及び再起動を完了。オペレーターさん、 遭遇したモデル211は死亡、ブラックボックス信号も停止。そう。現状報告。塔にアクセスするための認証キーを入手。 Eh ben voilà. 規定数のアクセス認証キーの入手を確認。塔の調査が可能な状態。分かった。Eh bien, c'est bon.
Bonjour à tous et à toutes, c'est Kirito Knight 064. On est là pour la suite de votre let's play sur Nier Automata. J'espère que vous allez bien, parce que cette fois-ci, on a enfin obtenu les trois clés qui vont nous permettre de déverrouiller les sentinelles qui gardent la tour blanche scellée. Donc avec un petit peu de chance, on va rentrer dans cette foutue tour gigantesque dans cet épisode. Donc on est parti, résumé de la situation. Donc dans le précédent épisode, Nines a dû affronter son opératrice, qui l'aide depuis le début de l'aventure dans ce jeu en tant qu'unité de soutien. Il a dû l'affronter parce que bien sûr elle était passée du côté des machines contaminées par le virus. Et suite à cet affrontement, il a eu un petit peu de mal à en finir et c'est Eitu qui est apparu. Oh la musique encore! C'est Eitu donc qui est apparu et qui a achevé le travail. 9S, pris de colère, a voulu l'attaquer et la tuer, mais la tour s'est effondrée à ce moment-là et Eitu et 9S ont été séparés. Et là, 9S se dirige donc vers la tour blanche que voici, parce qu'on a enfin obtenu les trois clés qui permettent de déverrouiller donc les trois petites unités qui gardent la tour scellée. C'est parti. Donc j'imagine qu'on ne peut rien faire sur la tour principale, on va tenter quand même. Passez une journée fantastique. Ok, bon, on va désactiver ça déjà. Petite séance de piratage, c'est pas bien grave. Même pas? Si. Il y a un chrono. J'espère que c'est pas trop compliqué à pirater. Non, faut juste atteindre le... Oh, ça va. Easy, easy. On a vu bien pire. Là, il suffit juste de se frayer un chemin. Non, mais c'est méga simple. Ou alors, c'est un troll. Ils nous font faire des trucs simples et le piratage de la tour centrale va être méga difficile. Ça ne m'étonnerait pas venant de la part de ce jeu qui nous en a fait voir de toutes les couleurs depuis le début. On a eu de beaux trolls, quand même. Et on n'est pas à l'abri qu'il y en ait d'autres. C'est évident, faut péter cela. Ouais, la dernière au fond est protégée par une barrière. Ouais, c'était ça. C'était logique. Ok, attaquons-nous maintenant au bâtiment principal. Une porte. Eh ben, ne perdons pas de temps. Oula, oula. Le machin a l'air d'être méga lent à pirater. Ouais, mais ils vont m'attaquer, je vais être obligé de... Ouais, mais c'est impossible, la jauge de piratage retombe à zéro là-bas à l'entrée. Oh non, c'est dégueulasse. Je vais faire comment, moi, si dès que je commence à pirater, ils attaquent? C'est impossible. Si je commence à pirater, ils me sautent dessus, eux. On est mal barré, les amis. Des alliés, quoi? Qu'est-ce qu'elles font là, elles? Eh oh, oh, oh. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elles étaient pas venues. Devola, Popola. Merci.
En fait, elles sont méga balèzes. Elles te font un carnage. Allez, plus vite. Pirate plus vite que ça. Allez, on est quasiment dans le système. On est dedans. Il n'y a pas l'air d'y avoir de chrono. Enfin, je sens le méga machin super difficile de la mort là. Ouais, d'accord, d'accord. Voilà. Ah, c'est gentil. On redémarre de l'intérieur sans perdre de vie. Ils sont gentils quand même. Ça doit... Le piratage doit pas être facile. On va l'attaquer de par là-bas. Voilà. Faut regarder le pattern des bouboules. C'est bon. Ok, première zone, c'est fait. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il est invincible, le machin? Qu'est-ce que c'est ça? Quoi, c'est impossible? D'accord, c'est impossible de passer. Ok. On fait comment? Wow. Ah, la scène, elle était wow, mine de rien, impressionnante. Oh. Et qu'est-ce qui va leur arriver à Devola et Popola? Bon, nous on est dans la tour, ok, mais wow. Alerte. Découverte de données des unités Devola et Popola. Consultation des données. Alors, on va l'ouvrir. Par contre, si c'est des textes écrits, vous mettrez le tout sur pause. Moi, je vais faire passer lentement si c'est des textes écrits. Mais, ouais, ça sent le texte écrit, de toute façon. Ok. Moi, je vais faire passer lentement. Vous, vous mettez sur pause, si vous voulez lire. Et on se retrouve quand le dialogue est passé, tout simplement. C'est déjà fini? Non. Allez, on fait comme ça. Voilà. Si vous voulez lire, mettez la vidéo sur pause. Moi, je vais faire passer lentement. Et je vous dis à de suite.
Ouais, on va vérifier les circuits, oui.
On va la soutenir et on va l'aider à avancer. Je pense que c'est le mieux. Wow! Eh bien ça c'était du texte. Ça c'était du gros texte. L'échec de la gestion de la zone mena à l'effondrement du système Gestalt, ce qui entraîna la dissémination de l'espèce humaine. Le système jumelle ne sera jamais plus utilisé pour la conception de modèles d'androïdes. Suite à l'incident, les modules d'Evola et Popola n'ont pas été mis au rebut. Toutefois, pour prévenir la nouvelle défiance de comportement, la mémoire de ces unités a été effacée. De plus, elles ont été programmées de façon à être accablées par un remords permanent. Let evil win, take them out. This is justice, this is what's right.